Depuis 6 mois, je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Je ne dormais plus. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie d'une copie d'une copie. Quand l'exploration de l'espace intersidéral prendra de l'ampleur, ce seront les multinationales qui nommeront tout. La sphère stellaire IBM, la galaxie Microsoft, la planète café Starbucks. Vous partez en province cette semaine, pour couvrir les urgences. Ça devait être un mardi, il avait mis sa cravate bleu vif. Vous voulez que je laisse tomber les expertises en cours jusqu'à ce que vous m'indiquiez quelles sont de nouveaux priorités? Vos objectifs primordiaux, les voilà. Et voilà vos billets d'avion. Appelez-moi Célien Lézard. Il pétait le feu ce matin. Il avait dû se faire un lavement avec un grand café au lait bien fort. Comme tant d'autres, j'étais devenu l'esclave de l'instinct du cocooning Ikea. Oui, je voudrais commander le protège-poussière Erika Pekari. Si je voyais une nouveauté ingénieuse, comme une table basse représentant le yin et le yang, il fallait que je la possède. L'ensemble de bureaux Klipsk, le vélo d'appartement au Vautrec, ou le salon au Machab avec le motif Strin à rayures vertes. Même les lampes Rizlampa, en papier écologique sans agent blanchissant. Je feuilletais les catalogues en me demandant quel genre de vaisselle me définit en tant que personne. J'avais tout. Même les bols et les assiettes en verre, avec des petites bulles et des imperfections, pour prouver que c'était bien l'œuvre des artisans simples, honnêtes et travailleurs des régions rurales de Dieu sait où. Oui, je ne quitte pas. Dans le temps, on lisait des revues porno. Maintenant, c'était les catalogues de mobilier. Non.